Paella, cuisine de bord de mer. Et j'ai le grand plaisir d'être avec mon filleul. Voilà. Laurent ou Jason aujourd'hui? Ah, mais pour toi, c'est Laurent. Voilà. Toi, ça sera tout. C'est Laurent, c'est ouais, Laurent. Voilà. Laurent a un problème avec les légumes. C'est donc, ça. Voilà. Hein, voilà. Bah, j'ai bien compris, Pierre. Tu t'es dit, aujourd'hui, il y a le gros qui vient. Je pense qu'il mange pas beaucoup de légumes. Donc, du coup, tu t'es dit, je vais quand même mettre une petite batterie de carottes. Donc, là, c'est juste pour qu'il soit croquant. Alors, c'est vrai que là, c'est du bonheur parce que les légumes sont. C'est d'une telle qualité que ça va cuire très très vite. Hein. Puis il y a quand même un peu de gras. Hein. Ah, on, met, de... on met du gras. Un petit peu de gras. Du bon gras. Du bon gras. Tu sais que tu es très à cheval sur le bon gras. Ah, moi, ça, j'ai remarqué que. Je suis très à cheval sur le gras et sur le bon gras en particulier. Je vais ajouter un tout petit peu de pomme. Bon, je vais mettre toutes les herbes. Je vais ajouter un tout petit morceau de la doc. On ne sort pas de chez toi en ayant faim quand même. Ah, non, non. Hein, rarement. Ah. Enfin, moi, j'ai jamais pas faim. Non. Voilà. Merci, chef. Ça a l'air bon, et j'ai hâte de goûter. Tu as dit chef, donc je vais dire merci Jason. Jason Jason chicken game. Bon, le mot est pas assez fort. Un moment extraordinaire. Alors moi, c'est fabuleux. Christiane, on se connaissait pas du tout. Ah, c'est fabuleux, c'est bien. C'est bien aussi. Et c'était, non, c'était parfait. C'était déjà, on a mangé divinement bien. Et puis, avec Christiane, on s'est très bien entendu tout de suite. Et j'aime bien, elle a un caractère bien tranché, elle est bien vive, oui. Elle est bien foutée. Et elle est bien rentre dedans. Moi, ça oui, me plaît. Oui, oui. Je suis tellement calme. Un petit taureau, voilà. Hein, ah oui, on est sur un petit taureau. Tout à fait. Quand ça, c'est quand? Ah, justement, on va trouver une date. Eh ben, on attend le prochain. Avec grand plaisir aussi. On a passé vraiment un super moment. C'était vraiment terrible. D'ailleurs, un petit café, d'ailleurs. Comment? Un petit café, peut-être, après. Ah ben, ça va arriver hein? Après. Ah, hein, ah hein, ouais, ouais, non, mais voilà. Tout seul. Et je voudrais pas... Non, oui, oui, bien sûr. Mais le café, il attend. Hein. Qu'est-ce nous avec. Hein. C'est difficile. Le deuxième plat. Le deuxième plat avec le poisson. Le cabillaud avec le petit goût fumé. Je n'arrive pas à trouver le goût. Mais le poisson par lui-même, il est fade. Mais il était tellement bien assaisonné que je ne sais pas. Je sais pas. Et puis le tiramisu à la mousse au chocolat aussi. Ah, bon, ça. Vous y êtes allé. Il y allait gaiement, moi aussi. Si on avait eu plus de place, on finissait tout. Voilà. Non, délicieux. Et puis Pierre. C'est un des rares chefs 3 étoiles qui fait aussi bien le salé que le sucré. Voilà. Ah bon. Parce que souvent, quand vous avez des chefs triplement étoilés, leur pâtissier, c'est pas eux. Donc, si vous voulez, non, parfois, non, il, arrive, vrai, que, il arrive que les desserts soient moins bons que le reste. Ce qui n'est pas le cas chez Pierre Gaillard. Donc, il fait salé et sucré. Oui. C'était tellement vivant et tellement apprécié qu'on attend le second tour. Magnifique. Je peux pas conclure mieux que Christiane. Merci. On a vécu pendant ce temps où on a goûté.